Bien, salut à tous les amis, c'est Megafire pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi, bah ça va nickel. Alors, je parle un peu bizarrement parce que je suis un peu coincé de la gorge, donc excusez-moi d'avance. On va se retrouver sur du FNAF 3 parce que j'avais très 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 envie de faire du FNAF 3. Alors, c'est du premium comme vous voyez en bas, c'est Scout Cotton et pas la démo. On va faire load game. Donc, alors pour toutes les personnes sensibles, ne regardez surtout pas ça, sinon ça va vous faire peur. Alors ça c'est nuit 1, on fait rien, il n'y aura pas de montre. Je peux rien faire, mais parce que je connais le jeu par cœur, je l'ai fini 3 fois. Donc peut-être que je ferai plusieurs séries sur ce jeu-là, parce que ce jeu-là... Je l'adore, et il y aura du FNAF 4 aussi, et du Sister Location, voilà. Qui ne sont pas les démos. Bon, bah du coup, je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire passer la nuit 1. C'est assez simple de passer quand même les nuits, mais on ne sait jamais que ça peut être assez compliqué. L'habitude, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vais aussi vite. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, je suis désolé, mais en gros le truc c'est que pour ceux qui connaissent pas le jeu, mais je pense que tout le monde doit connaître le jeu au moins, le jeu c'est un donc c'est Five Nights at Freddy's, donc c'est-à-dire qu'il faut rester 5 nuits chez Freddy, c'est-à-dire, et tout simplement il y a un monstre là où il y a les caméras, donc il n'est pas là pour l'instant. Il s'appelle Spring Bonnie, je crois que c'est ça. Donc les abonnés qui savent comment il s'appelle. Ou alors c'est Springtrap. Je crois que c'est plutôt Springtrap. Les amis, je crois que c'est plutôt Springtrap. C'est ça, c'est Springtrap. Donc excusez-moi, vous entendrez de la pluie chez moi car il pleut. Pardon, excusez-moi, j'ai un rhume aussi en même temps, c'est très agaçant. Donc voilà, je parle pas très fort parce que bref, on est le matin, donc c'est ça qui est cool. Allez, moi je m'amuse, hein. Donc regardez, on peut l'appeler dans cette pièce-là, le monstre par exemple. Vous pouvez aller dans les maps toggle, donc c'est les conduits d'aération. Vous pouvez regarder où il est et vous pouvez double-clic pour bloquer. Voilà, par exemple je suis là, par exemple je vais bloquer celui-là. Voilà, ils sont tous bloquables. Ils sont tous bloquables. Ils sont tous bloquables. Et voilà, on peut voir les caméras ici. Et dans Sister Location, ce n'est pas ça. Et ni dans le FNAF 1, FNAF 2 et FNAF 3, c'est à peu près comme ça que ça se passe aussi, avec les caméras et tout. Mais il n'y a pas ça. Il y a toujours un truc violet là. Je ne sais pas si vous le voyez. À la porte, il y a un truc violet. C'est bizarre. Je regarde. Donc voilà, là c'est la nuit 1 qui est terminée. Yeah! Allez, j'ai fini la nuit. Donc ça c'est simple, la première nuit, tout le monde peut la réussir. Donc là, bien évidemment, c'est un mini-jeu. J'aime bien le Five Nights at Freddy's parce que c'est un jeu qui est sympa. On va écouter ce que le mec dit. Il est là.
J'écoute qui est le mec parce que c'est important. Il est chiant. On s'en fout. Le tenir le plus longtemps loin de moi. C'est ce qu'il faut faire. L'audio device. Ok, je le rappelle. Et merde. Je voulais justement fermer, mais pas le temps malheureusement. Pas se calmer. Hey, reviens-le toi. Pourquoi tu reviens pas là? Il y a un putain de son, bâtard. Ah là là, elle est là. Non. C'est chiant. Ok. Ça peut passer. Les bruits dans ce jeu sont vraiment mais très bons. Du coup, oh, yes. Cool. Trop bien. Stylé.
Allez, troisième nuit. Je pense que ça va être la dernière nuit. On est en train de parler Springlock. On s'en fout, bref. J'espère que ça recorde bien le son, que vous pouvez entendre tout ce qui se passe. C'est une petite notification, excusez-moi. Ok, la salle 8. Ok. J'ai réussi à éviter le screamer. Surtout pour vous. Faut avoir l'œil après. Force de jouer des jeux d'horreur, on peut s'attendre à tout. Voilà pourquoi je l'ai bloqué, parce que ça va à la salle 9. Bloqué. Donc il peut pas. Regardez, j'ai entendu. Ici, là. C'était là. Parce que justement, j'ai bloqué exprès la canalisation pour pas qu'il y rentre. Et pour pas que il aille vers moi. Oula. Oula, c'est bizarre. Bon, les amis, il a planté. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, les amis. N'hésitez pas à lui mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, commenter, partager, et à plus, les amis. Ciao, ciao.